La campagne Droits sans frontières aimerait combler un vide juridique qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, l'économie s'est globalisée, mais les responsabilités des entreprises ne se sont pas globalisées. Donc, il y a un vrai vide juridique des maisons mères envers leurs filiales, où même si une filiale est contrôlée à 100% par une maison mère, par exemple Nestlé contrôle une filiale à 100%, ou Glencore ou Congo contrôle à 100% une filiale, pour donner un exemple fictif, elle peut la contrôler économiquement, elle n'a aucune responsabilité en matière de droits humains et d'environnement. Donc, elle n'est obligée juridiquement à prendre aucune mesure pour garantir que cette filiale respecte les droits humains. Et s'il y a des violations des droits humains, elle n'a aucune responsabilité. C'est que la filiale qui est responsable.